Hello, hello, tout le monde, les gens, j'espère que vous allez bien. Donc oui, bah, comme vous pouvez voir avec ma lumière dans la chambre, nous sommes lundi soir, le 21, et je vais vous proposer un haul chain, puisque j'ai reçu le colis ce matin. Et avant, je vais faire une petite aparté. En fait, j'avais filmé des vidéos d'un haul action, d'un haul nose, et je ne sais plus quoi. Un haul stockomanie aussi. Mais le souci, c'est que comme je ne mets pas les vidéos tout de suite, je mets trop de temps parce que je ne suis pas motivée ou que je suis fatiguée ou que j'étais au travail. Donc du coup, je tarde à les mettre en ligne et du fait, je vais pas vous proposer ces hauls. Mais ce que je ferai quand je ferai des créas, parce que j'ai faut que je m'y remette, je vous dirai si je les ai trouvés à Action, à Nose et voilà. Je préfère faire comme ça. Donc je suis désolée de ne pas pouvoir vous proposer ces hauls-là. Parce que là, ça fait, il y en a, ça date de plus d'une dizaine de jours. Donc je me dis, ça vaut pas forcément le coup. Mais voilà, je vous montrerai quelques petits trucs. Voilà, ah, j'ai Manala qui monte sur mon poste radio et qui fait des bêtises, alors que les volets sont fermés. Mais là, je vais vous proposer le haul chain que j'ai reçu ce matin et je vais vous la mettre demain mardi. Il faut vraiment que je me motive, il faut que je mette cette vidéo là demain. Mardi. Quoi qu'il arrive, il faut que je le fasse absolument demain. Donc, là, ça n'a pas été une très très bonne journée pour moi. Donc, voici le colis Shane. Ouais, pas été une bonne journée. J'ai eu un rendez-vous spécifique ce matin où j'ai appris voilà certaines choses. Et ce midi, j'ai eu un appel de la d'une secrétaire d'un de mes employeurs et visiblement je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un client qui se plaint de moi alors que je fais mon boulot, enfin c'est pas grave. Donc du coup, comme ça m'a pris la tête et que je suis obligée de me déplacer, déjà c'est pas à côté, c'est un peu loin de chez moi, que je dois me déplacer dans leurs locaux pour entendre ma version. Donc je leur ai dit que je démissionnais. J'ai envoyé un texto à la secrétaire, j'ai dit moi je démissionne. Donc voilà. De toute façon, j'ai qu'un contrat avec eux. J'ai plus de contrats avec une autre société de nettoyage. Donc il y en a un que je vais arrêter. Voilà. Donc je vais pas à me prendre la tête. Je saurai ce qui se passe, mais j'ai pris la décision de démissionner. Voilà. Alors, pour commencer ce haul chain, alors je vais prendre. Bon, ça, c'est le papier avec le récapitulatif. Hein, vous connaissez, pour ceux qui commandent. Alors, premier, c'est pour moi. Je me suis repris un jean. Et de toute façon, j'ai encore nagé dedans, parce que vu que je maigris à vue d'œil, je nage dedans. Donc, j'ai pris un jean. J'ai pris en quelle taille? Je ne sais même plus. Je crois que j'ai pris encore une taille en dessous. Ça ne m'étonnerait pas de moi, ça. Oui, j'ai encore pris une taille en dessous. Donc, il est en bas, j'adore, c'est qu'il est comme ceci, à pattes d'eph avec des franges, j'adore. Il est à. Hop, on enlève ça. Il est à bouton et à fermeture éclair. Et il est, comme vous pouvez le voir, déchiré sur les côtés, enfin sur les devants, je voulais dire. Donc il est trop trop bien. Je l'ai payé moins de 10 euros. Je l'ai trouvé trop classe. J'ai dit je vais le prendre. Donc j'ai pris celui-là. Et ah oui, c'est celui-là. Donc dans le bas de la jambe. Je vais voir si je peux vous montrer. Voilà, ça fait une étoile. Donc voilà pour ce jean. Et j'ai encore pris une taille en dessous. Donc je mange pas grand-chose. Il y a des fois je ne mange pas parce que je ne sais pas quoi manger ou rien ne me fait envie ou j'ai pas faim quand je suis un peu quand je suis pas bien tout simplement. Donc là ce midi j'ai pas mangé. Voilà. Je peux vous dire j'ai pas mangé. J'ai mangé un yaourt avec une petite part de gâteau. Il était passé 16 heures. Sinon des fois je ne mange pas.
Et des fois, rien ne me fait envie. Donc, je bois beaucoup d'eau. J'ai des bouteilles d'eau. J'en bois facilement deux par jour, voire plus. Donc, voilà. Quand je suis vraiment, vraiment pas bien, je bois de l'eau. Pousse-toi pas. Et je ne mange pas. Ensuite, c'est du scrap. Mais j'ai trouvé ça trop, trop chou. Ça va être pour faire un petit truc pour Aélis. J'ai trouvé ça trop sympa. J'ai trouvé, alors, c'est deux parties. Vous avez des petites chaussures comme ceci. C'est écrit Witch Puren. Donc, c'est en fait, ça doit être des pas de. Ça veut dire pas ou trash, je sais pas. Donc, il y a ça. Et vous avez ce petit lutin. Donc, je vais lui faire des petits trucs sympas. Là, je pensais, vous voyez, faire des traces sur le sol pour dire que les lutins de Noël sont passés, enfin, sont venus surveiller. Et je vais en mettre un comme ça. Je vais faire le contour sur des vitres, comme ça. Voilà, je vais lui faire croire qu'il y a déjà des lutins du Père Noël qui sont venus l'espionner. Voilà, j'ai trouvé ça excellent. Donc, dis, je peux trouver des petites bricoles comme ça pour... Voilà, pour la magie de Noël, je prends. Je trouve ça super. Et je pense que ça va me faire du bien de me plonger dans cet univers. Là, je pense que j'en ai vraiment besoin. Comme je suis en train de, on va dire, de retoucher le fond, là, ça va me faire du bien. Ensuite, ça c'est des collants pour Aélis. Donc c'était un lot de deux. Donc vous avez, ce sont des choux, donc chat noir et chat blanc. J'ai pris en, alors je sais même plus, voilà, c'est du 11-14 ans. Donc Aélis, elle est grande et un petit peu costaud, donc il lui fallait des collants. Et j'ai trouvé cela, c'était le lot de 2 à 4 euros et quelques. Voilà. Et comme elle met souvent des robes maintenant et qu'elle met toujours des pantalons en dessous, des leggings, donc je me dis, bah, il faut quand même des collants. Donc j'ai pris ce dos. Excuse-moi ma nana. Ensuite, je lui ai pris une belle robe de Noël que j'ai eue en promo qui était à 6 euros et quelques. Je me souviens plus, 6,47 je crois. Elle l'a trouvée trop belle. Et Aélis, même si on fait Noël qu'entre nous malgré les circonstances, j'ai envie qu'elle ait une belle robe de Noël. Alors ça c'est le bas. Donc il y a déjà la ceinture. Donc verte avec plein de petits logos, des petits gnomes et tout ça en part d'épices. Et voici la robe. Donc à grande manche, je vais vous rapprocher pour vous voyez. Donc il y a des sucres d'orge, des sapins, des petits pains d'épices, des cloches, des flocons de neige, des petits bonbons. Donc elle est comme ceci. C'est une robe longue. Et devant comme derrière, voilà, c'est comme ceci. Et vous avez les passants pour y mettre la ceinture. Donc je lui ai pris en je sais plus quelle taille. Je sais plus. Je crois que c'est du 12 ans, il me semble. Hop. Le problème, c'est qu'avec Aélis, elle veut toutes les robes qu'elle voit. Donc des fois, je lui dis, bah non, parce que c'est pas donné. Ce que j'ai la taille, c'est du 12 ans. Voilà. Donc là, elle l'a trouvée jolie, elle n'était pas très chère. Puis j'ai dit, c'est vrai que vert, ça change que des robes rouges, que des robes qui sont vraiment Père Noël. Et je l'ai trouvée trop trop jolie, celle-ci. Et ça change un petit peu. Hop. Ah, ma nana. Ensuite, j'ai pris, ça c'est pour moi. Bah, ça, en plus, ça va être la saison. Mais j'adore. Je l'ai trouvée trop 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 chouette. Là, par contre, pour les t-shirts, je prends un peu plus grand... qu'en bas, parce que je suis quand même assez large d'épaule et de poitrine, donc je prends toujours un peu plus grand. Donc c'est un t-shirt qui fait Halloween, mais il est spécial. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que là, vous pouvez voir, il y a une citrouille, et ça fait des tas de papates de chat. Donc je vais vous rapprocher, voilà, avec des pattes de chat, et au niveau de la... Voilà, au niveau de la tige, ça fait aussi des papates. Donc, j'ai pris celui-là. Donc, j'ai dit, ça fait Halloween, mais vous savez que à quel point j'aime les chats. Et que depuis que bah, mon Simba n'est plus là, dès que je peux trouver des vêtements avec des chats, ou voilà.
je prends avec des chats. C'est, on va dire que oui, c'est pour rendre hommage à mon Simba. Et les fêtes de fin d'année approchant, ça va être un petit peu dur cette année. Il y en a qui vont trouver que ça, c'est bébête. Mais c'est le premier Noël que je vais passer sans mon chat. Premier Noël sans mon Simba. Ça va être un petit peu compliqué, un petit peu dur pour moi. Ensuite, j'ai pris un t-shirt trop drôle. Je suis désolée. Mais entre la mauvaise journée, le mauvais temps, il pleut, ça fait que ça, il fait frais. Et là que je vais devoir passer le premier Noël sans Simba, c'est un petit peu dur, je vous avoue. Mais bon, faut que je fasse avec. Mais voilà, ça va être bizarre. Alors, l'autre t-shirt, j'ai pris. En plus, je viens de voir qu'il y avait beaucoup de rouquins. J'ai pris ce t-shirt-là, avec des chats qui font des tas de grimaces. Et j'ai trouvé trop drôle. Ouais, vraiment trop drôle. J'adore. Et c'est un peu bébête à dire, mais j'adore. Je suis désolée. Mais c'est vrai que j'y pense. Et à Stokomani, j'avais trouvé une boule de Noël avec un rouquin dessus qui porte un bonnet de Noël. Et je l'ai vu, j'ai dit c'est Simba. Ça peut paraître bête, mais je m'en suis pas remise. Je ne me remets pas de son départ. Ensuite, je me suis pris un DP. Et oui, et j'en avais repris à Noz aussi, de Noël. Mais là, c'est pas un DP de Noël. J'ai trouvé qu'il me parlait celui-là. Et c'est un complet. Enfin, c'est un DP à faire complet. Et j'ai trouvé trop beau. Je vais vous montrer. C'est beaucoup la même couleur. Il n'est pas très très grand. Mais je l'ai adoré. Donc voilà, si vous voyez bien, un ange aux ailes roses avec des têtes de mort. Je l'ai trouvé trop trop joli et j'adore. Personnellement, voilà, j'adore, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Donc c'est un 30 sur 40, mais je pense que c'est un faux 30 sur 40. Donc je vous le remontre. Voilà, comme ça vous voyez bien. Je vous l'approche et il est comme ceci. Donc c'est toujours des diamants ronds. Et comme vous pouvez le voir, beaucoup de noir, de gris, de rose. Donc voilà, c'est un DP qui me parlait vraiment. Je l'ai trouvé trop beau. Hop, je jette ça. Et là, j'en ai plein de Noël à faire. J'ai encore des DP, hein, mais c'est des carrés. Et avant, j'aimais bien faire les DP carrés. Maintenant, j'aime plus ça. Ça m'énerve. Donc, je fais que les ronds, mais les carrés, bon, bah, je les ai commandés. Il faudra que je les fasse quand même. Hein, ça. Alors, attendez, j'ai juste un petit souci pour le remettre dans le plastique. Parce qu'il y a le côté collant qui veut absolument coller au DP. Puis j'ai plus d'ongles, je les ai tous rongés. Voilà, j'ai rongé mes ongles parce que je suis quelqu'un de nerveuse. Et quand je regarde la télé, je suis toujours en train de gratter mes doigts. Toujours gratter les doigts, les petites peaux. Et je ronge mes ongles. Donc c'est pas bien. Et j'avais ce qu'il fallait pour. Vous savez, d'accord. Les espèces de popites là, qui étaient par un temps, j'en avais acheté. Et sauf que là, il y en a un, je ne sais plus où il est. Il a dû tomber quelque part. Hop. Donc, je ne vous montre pas tout à fait, mais voilà, j'ai plus aucun ongle. Et puis, les peaux, c'est horrible. Ensuite, ça, c'est encore pour moi. Bah oui, j'en ai pris pour moi, j'en ai pris pour Aélie. Vous allez me dire, c'est pas la saison de mettre des t-shirts, mais je craquais sur ces t-shirts-là. Donc, moi, je l'aimais, hein.
Je l'ai trouvé trop beau. Pour, malgré tout, c'est pas ma couleur, mais je l'ai trouvé trop trop beau celui-ci. Alors, est-ce que vous allez bien le voir? Il faut que je regarde en même temps. Il est noir et rouge avec une belle rose. Donc ça, c'est le devant. Et le derrière, hop, c'est pareil. Voilà, et je l'ai trouvé bah, beau. Voilà, tout simplement. C'est peut-être pas grand-chose, mais... Et c'est la marque Emery Rose. Donc, je ne connaissais pas encore chez Shane, celle-là, mais j'ai trouvé trop beau. Ah, c'est mon petit côté gothique, sentimental. Voilà. J'ai Nala qui dort sur mes sacs. Ensuite, ça c'est pour Aïlis. Je l'ai trouvé trop chaud. Alors j'espère qu'il va bien lui aller parce que la petite ménère... alors c'est en 12 ans, ça devrait lui aller largement. J'avais envie de lui racheter un pyjama de Noël. Et celui-là, j'ai littéralement craqué. Pourquoi? Ah, et le papier qui est tombé. Pourquoi? Parce qu'il y a les choses qu'elle aime, tout simplement. Parce que en plus, c'est un tissu doux. Il est rose. Il y a, vous voyez, que des Pères Noël. Avec des sucres d'orge, des petites clochettes. Ah oui, bah, elle va largement rentrer dedans. Donc, il est comme ceci. Il est trop beau. J'ai littéralement craqué. J'ai dit, ça, c'est ce qu'elle aime. Le Père Noël, c'est rose. C'est tout ce qu'elle aime. Donc, j'ai forcément, elle va craquer quand elle va le voir. Et le haut, trop beau aussi, à manches longues. Le haut est plutôt ouais, blanc rosé avec une belle tête de Père Noël. Voilà. Je l'ai trouvé trop chou, celui-là. Il est trop beau. Donc, elle va être trop contente. Surtout que elle, comme moi, on met déjà nos pyjamas de Noël parce qu'on est fan. Et quand on voit le temps qu'il fait, eh ben, on se plonge dans l'univers de Noël. Donc, il faut vraiment que je fasse mes créas. Il faut que je fasse du scrap Noël. Il faut que je m'y mette. C'est ma période. Voilà. J'aime pas Halloween. Donc, voilà. Ensuite, eh ben, là, on va tomber sur un collier. Il est trop joli, j'ai craqué. Vous allez me dire, mais c'est pas forcément ton style, mais je l'ai trouvé beau. Je peux le mettre pour une occasion quelconque. Ou, alors, attendez, il se présente comme... Hop, sors de là, toi. Comme ceci. C'est voilà, une jolie fleur. Donc, je peux le desserrer pour le rentrer, vous voyez. Il suffit que je pousse ce petit truc-là. Et je pourrais le mettre et je peux agrandir. Donc, dans le bas, hop. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, là, j'ai agrandi un petit peu. Et dans le bas, vous avez une perle blanche. Et ça doit être une autre fleur. Ça doit être une tulipe. Ouais, c'est une petite tulipe. Et le collier est juste magnifique. Donc, il est trop beau, j'adore. J'ai vu ce collier, je dis, il est super. Donc, ça peut être lors d'une soirée que je vais faire avec des amis, pourquoi pas au Nouvel An, ou voilà. Normalement, j'en ai un autre, il faut juste que je le retrouve. Je vais fouiller, voir si je le sens. Alors, il doit être par là. J'espère. Oui, il a. Il est plus petit, mais je l'ai. Je l'ai trouvé. Donc, j'avais pris deux, je m'étais pris deux colliers. Je le voyais plus grand. C'est pas très grave. Des fois, j'aime bien les gros colliers. Des fois, j'aime les plus discrets. Ça dépend de mon humeur. Donc, c'est avec un cordon. Et celui-là, je l'ai trouvé magnifique. Je l'ai adoré. Avec une superbe étoile rouge. Pourtant, je n'aime pas le rouge. Hein, mais là, je l'ai trouvé trop beau. Avec plein de strass autour. Donc c'est juste un cordon noir tout simple. Voilà. Et le derrière, si je peux vous le montrer, voilà, ça fait un peu... on voit pas vraiment. C'est un léger... comme une légère et petite étoile. Mais le devant, il est juste trop beau. Donc c'est rouge, hein, c'est pas noir. Donc j'ai pris ça aussi pour moi. J'adore les bijoux, vous savez. Je mets, j'y vais au coup de cœur pour les bijoux. Je ne vais pas dire, je vais mettre que de la tête de mort. Non, j'y vais au coup de cœur.
Ensuite, j'ai pris. C'est pour moi. J'ai pris une aussi grande taille. C'est bizarre. C'est possible. Ça dépend comment c'est taillé. Je ne sais plus. Je ne sais même plus ce que j'ai pris pour dire. Ah oui, celui-là, il est magnifique. J'avais vu le derrière, mais pas le devant. Ok. Donc le derrière. Avec des ailes. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Avec des ailes et le devant, c'est avec une rose. Le seul point négatif, c'est que c'est ça a l'air d'être collé, mais j'adore, je l'ai adoré. J'avais vu que l'arrière, j'avais pas fait attention au devant, mais l'arrière, je l'ai trop kiffé. Donc voilà. Je l'ai pris en taille un petit peu plus grande, celui-là. Parce que c'était pas la même matière que les autres. Donc je me suis dit, dans le doute, je vais prendre un petit peu plus grand. J'ai pris une taille de plus que je prends d'habitude. Voilà. Donc ça, il reste plus grand chose, je vous promets. Il doit rester un pantalon et une chose pour Alice. Donc ça, c'est pour Pépette. Enfin, c'est pour Alice. Pareil, elle l'a trouvé trop chouette. Je lui avais pris, puis quand je lui ai montré, elle l'a trouvé très belle. Donc il y a des volants, elle est à manches longues, c'est parfait. Donc à manches longues, rose avec des pois. Hop. Le dessin, donc c'est un koala qui fait dodo. Et dans le bas, ça fait, hop, excusez-moi, ça fait un petit volant. Trop chou. Elle adore les chemises de nuit à Alice, et là, c'est écrit « Sweet Dream ». C'est trop mignon. C'est rose, voilà, avec le petit koala qui dort. C'est trop mignon. Et c'est un tissu léger qui tient chaud et tout. C'est super. Donc, elle va adorer. Hop. Hop. Moi, après, je vais aller me mettre sous ma couette. Je suis fatiguée, mais je sais que je vais aller me coucher tard. Parce que je crois que j'ai besoin de reprendre un rythme un peu... où je me couche pas à 9h du soir. Et le dernier article, c'est pour moi. Tissu fin. Hop, en version camouflage. Fifi, avec du rose. Donc je sais plus si c'est... Ah oui, je rentre largement dedans. Hein. Donc je vais juste me mettre debout, parce que je sais plus si c'est un pantalon long ou pantalon court. Pantalon long, voilà. C'est un long. Donc il est évasé. Tissu fin. Je dis pour traîner à la maison. Ou voilà. Ça peut être sympa quand il fait pas très froid dehors. Ça peut être sympa. C'est camouflage, c'est rose. Donc là c'est le derrière. Et il y a juste le cordon là devant. Hop, voilà ce que j'ai pris pour ce. Oh le chaîne. Donc promis, je vais vous le mettre demain en ligne. Et ça, il faut absolument que je le fasse. Même si je suis fatiguée, si j'ai pas le moral, il faut que je puisse mettre ce haul là en ligne. Et je suis désolée pour les autres choses que je ne vous ai pas présentées. Mais comme j'ai pas mal de petites choses à gérer, j'ai pas le moral, que je cogite pas mal. Voilà, je vous expliquerai plus ce qu'il en est. Pour l'instant, très peu de personnes sont au courant. C'est-à-dire très peu de personnes extérieures. À part une amie qui vit ici et mon amie CC, à qui je me confie, qui est très gentille, qui est là, qui... Je sais que je peux compter sur elle pour me soutenir moralement. Elle est au courant. Voilà, c'est normal, je peux me confier à elle, elle est comme ma grande sœur, donc n'en déplaise à certains ou certaines, c'est pas grave. Mais voilà, voilà la vie fait qu'il y a des changements. Attention, ma nana, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça et pas autrement. Donc voilà, mais je vous expliquerai peut-être. Je vous ai déjà dit, peut-être que dans quelques temps, je vous expliquerai ce qui se passe.
Je pense que quand vous verrez cette vidéo, vous allez peut-être songer à quelque chose, dire ah bah voilà, elle n'ose pas le dire, mais on pense que c'est ça. Donc pour l'instant, je vous dis pas. Certaines de mes abonnées ont mon Messenger, donc vous pouvez toujours me contacter, hein, je vous répondrai avec plaisir, c'est pas le souci. Mais voilà, pour l'instant, j'en dis pas plus parce que c'est quand même assez compliqué. Et voilà quoi, c'est pas toujours des moments faciles à vivre. Et quelque part, j'ai envie de le partager avec vous, mais je sais pas comment faire. Voilà, donc pour l'instant, je ne dis pas. Si vous pensez ce que ça peut être, bah, ne le dites pas en commentaire. Hein, vous pouvez m'envoyer un MP. Et puis voilà, donc ne vous inquiétez pas, hein, y a pas de personne est mort dans mon entourage, tout va bien de ce côté là mais Nala, oh, elle est en train de se coucher sur mes achats Nose parce que je les ai pas rangés, donc elle se couche dessus comme s'il n'y avait pas d'autre endroit où se coucher sur mon lit, enfin bref. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros gros bisous. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne semaine. Tout dépend quand vous regarderez cette vidéo. Mais promis, je vous la mets demain mardi. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye. Hello, hello, tout le monde, les gens, j'espère que vous allez bien. Et oui, bah, je suis de retour, comme je dis à chaque fois sur mes vidéos. Sauf que bah, des fois, je tourne les vidéos et je les mets pas en ligne parce que je suis fatiguée, parce que je suis pas très bien, parce que j'ai pas de motivation, parce que bah, je rumine beaucoup. Et voilà, donc... Donc voilà, il se passe pas mal de choses dans ma vie privée. Voilà, donc faut que j'arrive à gérer, mais voilà, des fois j'ai vraiment pas le moral, des fois je suis au fond du trou et ça m'arrive de pleurer, ça m'arrive de bah, tout simplement de me laisser aller. Et la seule chose, enfin, une des seules choses qui me fait plaisir, c'est quand je peux aller faire des magasins. Donc, je suis désolée par avance. J'avais tourné 3 vidéos il y a déjà un moment et j'ai attendu trop longtemps avant de vous les mettre en ligne, donc je ne l'ai pas fait. J'ai tourné une vidéo Shane la semaine dernière. C'était un lundi soir. Je vous avais dit sur la vidéo, promis, je vous la mettrai le mardi et je ne l'ai pas fait. Je suis désolée, vous verrez la vidéo Shane avec une semaine de retard. Et là, je vais vous proposer un haul action. J'y suis allée la semaine dernière. Et j'ai toujours pas tourné le haul parce que bah, voilà, parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais pas envie, parce que pas mal de choses à gérer entre les différents chantiers pour le travail et... ce qui se passe dans ma vie privée, les rendez-vous, les ci, les ça. Donc, il y a des fois, bah, voilà quoi. Mais je dirais que j'ai l'impression de délaisser ma chaîne, de vous délaisser. Je vais même pas sur YouTube pour regarder les vidéos des copines. J'ai les notifs, mais je me dis, ouais, je les regarderai plus tard. Et bah, plus tard, je suis fatiguée, quoi. Tout simplement, je m'endors très vite le soir. Et je suis réveillée la nuit, donc il y a des fois je les regarde, mais je mets pas de pouce ou pas de commentaire. Donc voilà, donc j'ai beaucoup de retard. J'ai essayé de rattraper ce comme je peux. Et mais voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas à rigueur. Je suis comme beaucoup de gens. Là voilà, c'est la fin de l'année et je passe des moments pas très agréables. Donc voilà. Et comme a dit mon médecin, il faut que je prenne soin de moi, mais le problème, c'est que j'y arrive pas. Donc, quelque part, je pense que je me détruis un petit peu, mais c'est comme ça, c'est tout. Bon, ceci dit, je vais pas vous faire une vidéo pour vous faire pleurer, je vais vous montrer ce que j'ai pris à Action.
Donc il y a du Noël, il y a du pain Noël, enfin bref. Alors, première chose, j'ai pris une boîte de butter cookie. Ces gâteaux-là, ils sont très 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 bons, moi je les adore. Et j'ai pris dans cette jolie boîte verte avec la boule de Noël. J'en avais déjà acheté une il y a 2 ans et c'est trop trop bon. Donc là, voilà, j'ai choisi la boîte parce que après la boîte, je la garde pour mettre mes trucs de Noël dedans. Ensuite, je me suis fait plaisir. Ouais, j'ai trouvé ces gobelets-là trop beaux. Donc, je me suis pris un gobelet comme ceci. Bon, il y a différents modèles. Il y a le bonhomme de neige et le Père Noël. Moi, j'ai pris avec les lutins. Et dans le bouchon, c'est le sapin. Et puis, il y a des paillettes dans le bouchon. Et il y en a aussi dans le bas du gobelet. Ensuite, bon, Aïlis est avec moi, elle a déjà choisi un cadeau d'anniversaire, donc elle voulait absolument un bébé avec une fonction spécifique, un bébé qui peut faire pipi, bah oui, donc j'avais vu que sur l'appli Action, il y en avait, mais je ne le trouvais pas en magasin, il n'y en avait pas, donc la dernière fois, j'ai trouvé, j'ai dit tiens, il est là, donc je lui ai dit est-ce que tu veux celui-là, ou est-ce que tu veux un autre qu'on avait vu sur un catalogue de jouets. Donc elle a voulu, celui-là, donc elle l'a choisi, donc voilà, le petit poupon comme ça, celui-là il fait pipi, donc elle voulait un poupon qui fait pipi, donc voilà, elle a pris celui-là, donc elle a déjà un cadeau d'anniversaire. Ensuite, forcément, quand elle est avec moi, elle veut toujours des tas de choses. Donc, rayon Noël, eh ben, elle va l'utiliser pour manger des petits trucs à Noël. Donc, elle a pris un petit bol comme ceci, avec Mickey et Minnie qui se font un bisou. Voilà, en plus, il va au micro-ondes, 2 minutes maximum, donc c'est sympa. Voilà, ce sera pour mettre des petits trucs à apéro. Et je lui ai dit, bah, prends le gobelet aussi. Donc, elle a pris celui-là, et où il y a Mickey et Minnie. Donc voilà. Alors si vous entendez la télé, c'est normal, j'ai mis MTV. Ensuite, elle s'est pris... Elle adore les peluches. Et elle a repris une peluche mini de Noël. Elle m'a dit, bah oui, mais je prends toujours mini. Bah je lui dis, tu peux changer. Il y avait Stitch, Mickey, Winnie, puis Pluto, je crois. Mais en fait, elle a pris mini et elle est trop trop chouette. Tu vois, j'adore. Ensuite, dans le rayon vaisselle, pâtisserie, j'ai trouvé un moule un peu rigolo. Donc, il y avait pas de patrouille, il y avait je sais plus quoi et Elsa. Et bah, elle a dit, moi, je veux Elsa. Donc, c'est un petit moule en silicone, voilà, pour faire la tête d'Elsa en gâteau. Donc, ça peut être sympa pour son anniversaire, vu qu'elle veut un anniversaire sur le thème des princesses. Ensuite, bah, j'ai pris ça pour ma nana, elle adore ses petites friandises, donc j'en ai repris un paquet. J'ai pris un spray neige parce que j'ai un petit projet à faire. Vous le verrez dans la vidéo chaîne, j'ai trouvé un pochoir avec un lutin et des petits pas, et je vais je peux pas trop le dire sur la vidéo parce que Aïlis, elle va regarder. Elle regarde mes vidéos, mais j'ai un petit projet avec ça. Donc, je pense que ça va le faire pas mal. Ensuite, je me suis pris des patchs pour sous les yeux. Là, vous pouvez le voir, là, vous voyez, c'est creusé. Je suis très, très, très fatiguée. Donc, j'ai repris ça. J'ai pris pour ma grande... J'ai pris ça, j'ai trouvé ça super sympa. Ça a failli tomber. J'ai trouvé ça super sympa. Une boîte en forme de bus, et il y a pas mal de petites choses dedans. Ça sent plutôt bon. Donc, il y a un gel douche et une lotion pour le corps, une crème pour les mains, trois savons ou 3 boules de bain. Non, c'est des boules de bain et une fleur d'éponge en forme de flamant rose. Donc ça, c'est en promo de la semaine. Je me souviens du prix, c'est 4,99€. Et ça se présente... Hop, hop là, je suis en train de tout casser. Et ça se présente comme ceci. Voilà. Donc je savais pas quoi lui prendre. Je dis, on va lui prendre ça. Ensuite... j'ai pris ça pour Aïlis. Bon, bah,
Malheureusement, elle était avec moi, mais elle va peut-être plus s'en souvenir, je sais plus. C'est un lot de 3 parfums Reine des Neiges, c'est en promo de la semaine aussi. Donc, en fait, il y a un body mist, donc un spray pour le corps, un spray pour les cheveux et un spray démêlant. Voilà, baume corporel, brume capillaire et un spray démêlant. Donc, le spray démêlant, c'est le vert. La brume corporelle, coucou Manana, c'est le bleu. Et capillaire, c'est celui-là. Donc, voilà. Hop. Et ce qui reste au fond, j'ai pris les calendriers de l'Avent parce que à Action, ils sont à 1,39€, ils sont aussi chers que dans d'autres magasins. Donc j'ai pris les deux mêmes, un pour moi, un pour Aïlis. Donc voilà, c'est le même décor, hein, vous pouvez voir. Donc moi j'adore avoir mon calendrier de l'Avent, c'est ma tradition et je l'ai pris. Enfin, je les ai pris. Et j'ai pris une. Alors, c'est une nappe de table. Mais moi, je vais la mettre sous un de mes sapins parce que je mettais une nappe et à force, la nappe, eh ben, elle s'est usée, donc elle fait des trous. Elle a plus de 20... Attendez, elle va avoir 20 ans, ma nappe. Elle va avoir 19 ou 20 ans et elle est vraiment abîmée. Donc, j'ai pris celle-ci avec des boules, des flocons. Vous voyez, il y a un renne. Il y a des, je sais pas si devant il y a des boules, non, si là il y a des petits oiseaux, et j'ai pris ça pour mettre sous mon sapin. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc promis, je vais vous la mettre en ligne, je vais allumer mon PC et je vais vous mettre celle-ci en ligne et la vidéo de Shane ou avant ou après, mais je vais vous les mettre, ça c'est sûr et certain. Hop là, bah vous la voyez, elle est là. Ma nana, où c'est pour toi, ça, où c'est pour mon nana. Bisous maman. Non. Bon bah voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, bah, bon préparatif de Noël, bon shopping de Noël. Moi perso, ça a très très bien avancé, même pour l'anniversaire d'Aïlis qui sera au mois de janvier. Donc voilà, donc j'avance et c'est plutôt super. On fait pas ses griffes sur le fauteuil, hein, maman, ma puce. Donc voilà, sur ce, bah, faites bien attention à vous et je vous dis à une prochaine fois. Donc, je tâcherai de vous faire une vidéo créa. Voilà. Bye bye. Bisous.